c'est horrible, les blogs, mais... Ah, l'épée! T'as pris le pire pack du monde! Hello les amis, c'est Alto, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 des packs de Noël. Il n'y en a pas eu beaucoup en 2018 et donc du coup je me suis dit, bah, comme on est en décembre, ce serait sympa de faire un petit top 5. Donc les packs que je vais vous présenter là, ce sont pas des packs forcément très connus. Et c'est des packs plutôt de 2017 parce que 2018, tout le monde était sur Fortnite, donc il y a moins eu de nouveaux packs. Du coup on est parti pour tester ces packs en rush sur Funcraft et let's go pour le top 5. On commence ce top 3 avec le Féo Noël Rush, donc by Féo. Il est vraiment super beau, je trouve. Les blocs d'Opsy et les blocs, enfin tous les blocs en vrai sont ultra beaux. Juste là, j'ai pas assez de matos pour vous montrer le reste. Nicolas, mais non, voleur de kill, moi je dis. Alors, en gros, voilà les blocs d'Opsy. Je présente. Oh, je suis mort. j'ai deux PV. Bon, alors en gros, les blocs d'Opsy, ils sont noirs avec des contours en guirlande. C'est plutôt bien. Ensuite, les blocs, c'est des blocs de sand avec de la neige au-dessus et des petites fleurs. Ça aussi, c'est ultra beau, je trouve. L'épée, elle est un peu comme les blocs d'Opsy. Et franchement, je trouve ça ultra stylé. Moi, c'est mon pack préféré, hein, je trouve. Les coffres, c'est des cadeaux. Ça, j'aime bien. Ensuite les minerais aussi, c'est des cadeaux, mais c'est pas les mêmes. Et en tout cas, Alto, c'est pas un cadeau. Issou. Les TNT, elles sont comme ça, voilà, il y a marqué Joyeux Noël dessus, c'est plutôt stylé. Et les pommes, c'est des pommes blanches avec un chapeau de Noël dessus. Franchement, moi, je trouve ça ultra beau. Attendez, je vais aider Tommy. Tommy Momo. Parce que Tommy Momo, c'est le meilleur. Bah non, tu peux pas devenir. Oh non! Si, je suis meilleur mondial. Arrête de dire le contraire, je suis meilleur mondial. Ensuite, le ciel, là. Il est beau. Bon, là, je sais pas ce que fait la lune. Elle est en forme de cœur, c'est bizarre, mais je crois que c'est rond normalement. Avec le Père Noël qui passe dessus, c'est ultra beau. Et ensuite, attendez, je voulais vous montrer, sauf qu'il y a l'autre. Ensuite, voilà l'inventaire. C'est un calendrier de l'avant. Je trouve que c'est original avec les chaussettes. Je trouve ça plutôt original. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Si sèches. Archi sèche. Ensuite les armures, c'est des Père Noël, voilà, c'est pas trop original pour un pack de Noël, mais en même temps il y a que ça à faire. Et je trouve c'est super beau parce qu'après, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis suicidé. Chacun fait Noël. Comptez dans la vidéo combien Alto dit. Moi je trouve. C'est nul. Ah la pioche, elle est pas édite, ça c'est pas ouf. Ensuite l'épée, j'ai déjà dit, le briquet il est comme ça, avec les flammes rainbow, c'est plutôt beau aussi. Ok. Et aussi n'hésitez pas à nous proposer des idées de prochaines vidéos dans les commentaires, toujours preneur. Et aussi, on drop les packs aux 20 likes, donc vous pouvez liker la vidéo. Voilà, je pense qu'on a tout dit, donc là on va essayer de péter leur bed. Attends, laisse-moi faire le dernier kill s'il te plaît. Quoi? Pour le rec. Non mais il me tape, mais voilà, je suis obligé. Ah mes stats mec. Mec, tu le tues pas. Quoi? Oh, il était au bord du bloc. Oh là mec, tu vas mourir. Oh là, je suis désolé mec, tu vas mourir. Il a pris 3 milliards de temps à allumer le bed. C'est mignon. Je suis mort. Bah tant pis pour toi. Bon cette fin de game était... Voilà. J'ai pas pu la rec, mais c'est pas grave. On passe, on peut suivre. En gros, j'ai perfect à la fin. Deuxième pack, le Christmas pack by Tafting. Je suis actuellement en train de le mettre, donc je bug. Ok, c'est bon. Donc, vous voyez, là, ça fait un peu penser à Mario, je trouve. Mais ce pack-là, il est vraiment ultra beau aussi. Le ciel, déjà, on va commencer par ça. Ça fait pas ultra penser à Noël, mais il est quand même super beau. Avec l'univers. Aussi, les minerais, c'est un peu edit, mais ça fait pas non plus penser à Noël. Et ensuite, là, on arrive dans Noël. En gros, les blocs de sand, c'est des blocs de neige, comme on peut les voir un peu sur Minecraft. One shot. Et les blocs d'Opsy, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh non, tu m'as glitch. Les tentels sont comme ça, voilà, un cadeau avec le nom de quelqu'un, ça peut être stylé. Et l'Opsy, c'est de la. C'est un peu comme des champignons quoi. Les gaps, c'est des petits sucres d'orge. C'est drapeau.
Les gaffes, elles sont grave belles. Et l'épée aussi, elle est grave belle. Elle fait un peu penser à l'épée du PX Pack, que je ne présente pas parce que je le trouve un peu connu. Elle fait un peu penser à l'épée du PX Pack aujourd'hui, et elle est franchement ultra belle avec son dégradé. Allumez le feu! Allumez le feu! Mais non, elle tower. Non! Ok. Ok. Heureux. J'ai crash. Attends. Ouais. Crash. Ouais. Allez, le petit 2v1. Je veux bien. Non. J'arrive. Non, j'avais la pression à la fin. Tout le temps, quand je suis un 2v1, je tue le premier, j'ai la pression et donc du coup, je tue pas le deuxième. Bon, par contre, là, c'est bon, j'ai plus de pression. Total, elle est morte. Et casse-toi. Ah bah non, mec, je peux pas revenir. Pas grave. Ah. Reviens, je te mets pas. Le 2v1 est annoncé. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Vas-y, faut vite que je m'occupe de lui. Oh non, ils sont tous les deux là. Ok, non. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais elle joue sa vie en 2v1, vraiment. Ouf, j'aurais pas aimé être elle. J'ai oublié l'épée, je suis mort. Oh non, c'était sûr. Je suis en 2v1 et la meuf, elle fait ça. C'est sérieux, c'est le rôle du mec qui est en 2v1. Enfin, c'est le rôle du mec qui est tout seul, ça. Oui, amen, il a posé la TNT. Oh oui, merci. Je suis tombé sur la pire team, on est d'accord. Ah, c'est horrible, les blogs, mec. Ah, l'épée. Et t'as pris le pire pack du monde. Mais c'est pas l'épée, ça. Oh, mais j'ai confondu l'épée avec la pioche. Mais c'est une pioche. Mais oui, mais moi non plus, j'aime pas trop les packs à fond. On se retrouve pour le premier pack qui a déjà été critiqué. Donc du coup, voilà les blocs. C'est du... Ouais, en fait, c'est des feuilles avec de la guirlande dessus. Les blocs d'Opsy, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas la guirlande. Ensuite, les minerais, bah, ils sont pas modifiés. C'est un peu dommage. Les TNT, non, les voilà, c'est des cadeaux assez simplistes. Et les pommes, elles sont comme ça. Donc, j'avoue, on dirait des manteaux simplistes aussi. Et après, épée, bah, c'est un sucre d'orge. Ça, c'est plutôt original, mais moi, perso, ça me perturbe parce que bah, j'aime bien les packs, en fait, où on reste dans le domaine normal, en fait. Ouais, donc, alors là, ça part en pioche. Bon, alors, le ciel, bah, c'est l'univers, voilà, il n'y a pas de gros Noël. Et ensuite, le briquet, assez stylé, lui, en Père ça, Noël. Et la pioche, elle est verte. Mais avec la pioche, elle déstabilise, c'est horrible. C'est un sucre d'orge. Bref, en gros, on a mis ce pack en numéro 1 parce que bah, il rappelle vraiment Noël. C'est vraiment bah, Noël et tout. Et pour ceux qui aiment les packs qui changent totalement, bah, celui-là, il est parfait pour vous. Aussi, les bruits sont stylés. Voilà, ils sont bien édités tout. Pour ceux qui ne les reconnaissent pas, c'est les bruits d'un pack de Matox. Voilà, j'avais le pack. Donc regardez, j'ai même pas lu. En gros, c'est Christmas Pack Swizen. Et c'est le Rush Edit Blue Matox Pack. C'est l'édit d'un pack de Matox. Matox qui est très connu pour ses packs. Et franchement, les bruits sont juste énormes. Oh, tellement plaisant quand tu poses des blocs. Mais oui, le bruit est super beau. Mais c'est comme la faucille dans Fortnite, quoi. J'avoue. Ah, un petit rush kit. On va finir ce top 3 sur 2 victoires, 1 défaite. Parce que voilà, lui, il est simple. Ça veut pas bouffer la pomme. Non. Bon bah voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous l'auriez kiffé, que vous êtes branlé. Non, je déconne. En tout, voilà, si vous voulez des nouveaux pack folders, bah, n'hésitez pas, hein, nous on est chaud. Et oui, on vous rappelle qu'on drop les packs aux 20 likes, donc pas la bombarder. En tout, on se retrouve mercredi pour le live giveaway de Noël, voilà, parce que bah, il est tard, ça fait longtemps qu'on a eu les 500 abonnés, parce que ouais, c'est Noël. Donc en plus, vu que vous l'attendez depuis longtemps, j'espère qu'il y aura du monde dessus et aussi bah, il y aura une petite vidéo comme c'est le mercredi. Et donc du coup, à mercredi les amis, ciao ciao. Voilà.